One, two, one, la course au clocher. Aïe, 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 je veux te voir à Château-Gontier. Le 5 mai, aïe, 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 je veux te voir à Château-Gontier. Le 5 mai, oh, oh. Président Madamet, désormais Nicolas Madamet, pourquoi t'impliquer, donc avec un rôle de président, dans l'organisation d'un tel événement ? Eh bien, parce que je pense qu'il faut qu'on s'implique justement pour l'avenir des courses. Et l'intérêt de notre manifestation, c'est de faire revivre le sport pour les courses. Je pense que c'est peut-être une survie, enfin un moyen de survie des courses. Parce que tu peux développer, tu imagines ça comment, le fait de quoi, de ramener du monde ? Exactement, c'est de redonner le goût des courses au public en oubliant le côté jeu. Mais en leur faisant voir le côté sport. Sport et amusement et distraction et passer une bonne journée en famille. Pascal Journiac, alors pourquoi, tu peux nous expliquer pourquoi tu t'impliques dans l'organisation de ce point to point à Château-Gontier ? Quand Emmanuel Clay a mis ça en place, j'ai trouvé ça sympa et on a été sollicité par Nicolas Madamet qu'on reprenne un petit peu le concept et ce côté festif, champêtre. Ce qu'on a perdu au fil des années, ça nous manque un petit peu. Il ne faut pas être nostalgique, mais cette ambiance qu'on retrouvait quand j'étais gamin, où il y avait du monde et cet esprit fête, j'adorais.